Salut les filles, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oui je sais, ça fait un mois que je n'ai pas filmé de vidéo et je m'en excuse. Simplement j'ai eu mon IDA, mon oral, etc. J'ai tous mes devoirs à côté et c'était juste pas possible de prendre du temps pour faire une vidéo correctement. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Vous n'aurez pas des vidéos hyper régulièrement. Faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une vidéo tous les jours hein, parce que ce sera absolument pas le cas, c'est vraiment quand j'ai le temps. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de tests. Donc on voit souvent, je sais pas si vous voyez, mais sur Instagram il y a beaucoup de sortes d'astuces make-up. Et aujourd'hui j'ai décidé de les tester. C'est un peu Ange Phoenix qui m'a fait avoir le déclic pour faire cette vidéo, tout simplement parce qu'elle a fait les tests Pinterest et moi je veux faire les tests Instagram. Donc voilà, j'en ai répertorié 3. Et je vous laisse tout de suite avec les tests. J'espère que vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos dans le genre, n'hésitez pas à liker et à me le dire dans les commentaires. Et la dernière astuce que j'ai testée, la deuxième astuce que j'ai testée, c'est le contouring et c'est une catastrophe. Donc déjà quand j'ai appliqué les produits, ils ont séché très rapidement. Enfin, la bébé crème n'a pas séché, mais le bourgeois, c'était une catastrophe. Il avait séché, ce qui fait ça faisait des petits points un peu autour de mon visage, voilà. Donc c'est clairement pas possible ce truc, voilà, sauf si vous avez des bons produits, mais moi avec les produits que j'avais, c'était juste impossible parce que vu la texture des produits, ça séchait hyper rapidement et du coup ça s'étale mal, etc. Et puis même à l'estompage, je trouve que ça sert strictement à rien. Je sais pas si mes produits ne sont pas performants, enfin pas assez performants. Mais en tout cas, c'était zéro nul pour cette astuce. Donc les deux autres, vous pouvez les utiliser sans problème. Mais celle-ci, je ne vous la recommande pas. Si vous y arrivez, si ça marche sur vous, tant mieux. Mais personnellement, moi, je n'ai pas réussi. Voilà, donc si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Ce que vous voulez que je teste. Si vous avez des liens, envoyez-moi vos liens. Envoyez-moi tout ce que vous voulez. Et donc, en fin de vidéo, maintenant sur les, je crois, 10 prochaines vidéos, j'ai pris l'initiative d'appeler une abonnée. Donc j'ai déjà tiré au sort l'abonné. Voilà. Donc on va appeler Edwina. Je sais pas si elle s'appelle, enfin si ça se prononce comme ça en tout cas. Mais c'est super dur à prononcer. Donc et bah écoutez, c'est parti. Allô ?
me reconnais? Ça va? Bah oui, écoute. T'es contente? Bah écoute, moi je te remercie en tout cas de me suivre sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Je te fais plein de gros bisous et merci encore. Gros bisous. Ciao. Elle est trop mignonne. Elle était toute timide. En plus, moi, j'avais pas préparé genre de sujet à aborder, etc. Parce que généralement, vous avez... Voilà tout le monde, ma vidéo est vraiment terminée cette fois-ci. Et donc, je vous remercie du fond du cœur d'être là pour moi. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu dans les commentaires. Et moi, je vous fais plein de gros bisous jusqu'à ma prochaine vidéo. Ciao.